Est-ce que c'est mieux? Est-ce que vous m'entendez? C'est bon? Ah, ça a l'air de fonctionner, ça y est. Ah, super. Bon, on va y arriver. Bah oui, du coup, mon logiciel n'a pas dû aimer d'être en pause la semaine dernière, donc du coup, il m'a fait des blagues, ce vilain. Non, mais... Bonjour Chantal, Karel, Marianne, Mumu, Émilie, Camille, Muriel et toutes celles à qui j'ai déjà fait coucou tout à l'heure, je suis désolée. Hello, hello, bonjour Marcel, comment ça va? Hello Coco, Véronique, Marie-France, Martine, Jocelyne, Héloïse, Marianne, qui est-ce que je n'ai pas vu? Ça y est, j'ai cité toutes celles qui m'ont fait coucou, je suis désolée. Bonjour Annie, comment ça va ma belle? Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui. Désolée pour ce petit bug de démarrage. Voilà, mon logiciel, il a dû pas être content de ne pas être vous retrouver la semaine dernière. Du coup, il s'est vengé aujourd'hui, le vilain. Voilà, coucou Dominique, bonjour Nicole. J'espère que tout le monde va bien. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour notre live. Hebdomadaire, voilà, chaque mercredi à 14h, sauf exception, nous nous retrouvons pour un live créatif. Et vous m'avez manqué la semaine dernière, hein, vraiment. J'ai l'impression que ça fait une éternité qu'on ne s'est pas retrouvés. Et puis, surtout avec le précédent live qu'on a vécu, ce moment incroyable, qui était juste magique, ce 100e live que vous m'avez fait vivre, en tout cas. Voilà, c'était vraiment beaucoup d'émotions. Mon petit repos, oui, j'en ai profité pour travailler un petit peu, hein, j'ai les portes ouvertes à préparer. Voilà, coucou Véronique, comment ça va? Hello Sylvie, bienvenue. J'ai pas le souvenir de t'avoir déjà vue sur un live, je crois. Quoique peut-être, mais tu t'étais fait discrète, n'hésite pas à faire partie des personnes qui commentent, ça sera avec grand plaisir. Oh, c'est gentil, Marianne. J'ai du son partout, même dans les oreilles. Superbe, Mumu. Bon, alors cette semaine, on va réaliser une petite carte toute simple, une Funfold Card. Tout simplement une carte à pliage original, vous allez voir. C'est très simple à réaliser. Et du coup, voilà, le principal, c'est de passer un bon moment ensemble, de se retrouver et puis voilà, de se faire une petite bulle rien qu'à nous. Merci Coco d'avoir bloqué ce vilain marabout qui recommence. Si la vidéo vous plaît, n'hésitez pas à la partager sur vos murs, vos profils. Attention, pas sur les groupes privés de mes collègues, s'il vous plaît. C'est gentil. Et puis, bien sûr, si vous êtes nouvelle... Sur ce live, n'hésitez pas à faire un petit coucou dans les commentaires, on sera ravis d'échanger avec vous, bien sûr. Hello Isabelle, bonjour Marie-Thérèse. Coucou Nathalie, j'espère que vous êtes tous et toutes en forme, que votre week-end pascal s'est bien passé, que vous avez été gourmande, je l'espère bien. Et du coup, eh bien, ce mois d'avril est quand même très chargé en termes d'informations. Coucou Muriel, ça va ma belle? Du coup, je vais essayer de vous donner un récapitulatif de toutes ces infos, notamment concernant évidemment Stampin' Up, mon activité et toutes les solutions que je vous propose donc pour par exemple acquérir le catalogue ou les nouveaux produits qui vont arriver ou profiter des liquidations qui sont toujours en cours du catalogue annuel actuel, celui qui est en vigueur en ce moment. Et puis, vous l'avez peut-être vu passer déjà hier, une info qui est quand même très intéressante et qui concerne la gratuité des frais de port. Attention, ça ne va durer que 24 heures. Alors, je vais vous mettre tout ça à l'écran, comme ça va être beaucoup plus simple. On va essayer, voilà, c'est pas forcément dans l'ordre, hein, mais au moins, vous aurez tout. Et s'il y a des éléments qui vous intéressent, de toute façon, que ce soit sur Facebook, donc c'est en haut dans la publication ou le commentaire épinglé, vous avez tous les liens dont vous avez besoin pour aller chercher plus d'infos ou vous inscrire, d'accord? Sinon, bien sûr, je reste à votre disposition en message privé, comme d'habitude, ou par mail, bien sûr, peu importe.
Et puis donc si c'est sur en replay sur YouTube par exemple, eh bien là toutes les infos se trouveront en bas dans la barre d'infos. Donc n'hésitez pas à l'ouvrir cette barre d'infos. Voilà, il y a plein 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 d'éléments qui pourront vous être utiles, que ce soit pour le projet ou pour les produits, etc. Bref, vous aurez tout ce dont vous aurez besoin. Alors, je relance l'opération des échantillons, des nouveautés du catalogue annuel. Les inscriptions sont déjà en cours. Donc, je vous propose différentes options et pour cela, je vous invite à aller sur mon blog harmoniescrap.fr. Du coup, vous aurez vraiment le détail de ce que je vous propose. Donc, cela concerne uniquement les nouveautés du catalogue annuel, les papiers imprimés, les papiers design, les papiers spéciaux et également les embellissements, mais uniquement les nouveaux embellissements. Voilà, donc différentes options, allez jeter un œil, vous verrez, vous aurez tout le détail avec tous les tarifs. Donc n'hésitez pas. Ensuite, vous le savez, j'ai lancé aussi le club Incolore. Donc ça, ce sont les 5 nouvelles couleurs qui vont sortir dès le 3 mai. Évidemment, vous savez, quand on est accro à Stampin' Up, on est toujours très fan de ces nouvelles couleurs qui, soit dit en passant, ben, il y a de quoi, hein, elles sont vraiment superbes. Du coup, voilà, quand on est fan de ces couleurs, on a envie de les avoir. Mais forcément, on ne peut pas toujours tout acheter d'un coup. Donc, je vous propose d'adhérer à ce club Incolore et du coup d'obtenir ces produits sur 5 mois. Voilà, étalés sur 5 mois, avec des surprises à chaque fois, chaque mois, évidemment. Donc, c'est pareil, vous avez le lien en haut de la publication sur Facebook et dans la barre d'infos sur YouTube. Autre info, bah justement, les portes ouvertes, hein, elles auront lieu donc mercredi prochain à la place du live créatif à 14h. Donc toujours des cadeaux à gagner, notre chasse au trésor, bien sûr, avec des petites questions durant la présentation. Voilà, donc je sais qu'il y en a qui sont impatientes et qui ont déjà commencé à bien 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 feuilleter leur catalogue qu'elles ont reçu la semaine dernière. Et qui ont déjà des gros coups de cœur. Donc allez-y, feuilletez-le pour pouvoir trouver encore plus vite les questions que je vous poserai dessus la semaine prochaine. S'il y en a parmi vous qui n'ont pas encore de démonstratrice et qui souhaitent acquérir bien sûr le catalogue, n'hésitez pas à m'en faire la demande, ça sera avec plaisir. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme information? Bah, justement, les frais de port offerts. Et ça, c'est Stampin' Up qui nous le propose. Donc, ça sera uniquement demain, pendant 24 heures. Les frais de port seront offerts dès 75 euros d'achat. Donc, attention, c'est une offre flash, uniquement 24 heures. Et ben, vous voyez, en plus, ce sont toujours les liquidations du catalogue annuel. Donc, c'est le moment aussi d'en profiter si vous avez encore des petits coups de cœur sur le catalogue actuel. Voilà, c'est le moment de vous faire plaisir. Les frais de port seront gratuits. Voilà, je crois que vous savez à peu près tout. Pardon. Donc les liquidations du catalogue, les frais de port offerts, les échantillons, le club Incolore, la possibilité de recevoir votre catalogue annuel si ce n'est pas déjà fait, et si vous n'avez pas déjà une démonstratrice, évidemment. Ah, si, une dernière chose. Nous sommes dans la dernière journée d'inscription pour la boxe mensuelle. Si vous voulez rejoindre le groupe des boxeuses, comme elles aiment à s'appeler, eh bien, les inscriptions sont ouvertes jusqu'à ce soir 20h. Donc, il est encore possible d'y adhérer. Voilà, ça fait beaucoup d'infos, mais du coup, voilà, chacune ou chacun choisit ce qui lui plaît, ce qui lui ressemble, ce qui lui convient le plus. Voilà, c'est une large offre pour essayer de satisfaire un maximum d'entre vous. Alors, je vous propose maintenant que nous démarrions notre création, donc la Fun for Card. Pour cela, je vais basculer tout de suite. Hop, c'est parti. Alors, vous avez à l'image la carte que j'ai réalisé pour la présentation de ce live. Vous reconnaîtrez bien sûr la collection Champ de fleurs. Hop, voilà, donc ça on a la carte. Eh bien non! Surprise, surprise pour la future box Dream Dream.
Alors voilà la carte qu'on va faire aujourd'hui. Ok. Donc, ce papier champ en fleurs, je ne sais pas pourquoi j'ai toujours deux. Ici, ils vous sont présentés recto verso à chaque fois. Ils sont vraiment magnifiques ces papiers, plein de couleurs, c'est vraiment très agréable. On retrouve calico coquelicot, pétale rose, tarte au potiron, riche raisin, piscine party et grappe gourmande. Ah oui, Evelyne, c'est vrai que tu rejoins ce mois-ci, fin mois de mai, tu rejoindras les boxeuses, c'est vraiment super. J'espère que ça va te plaire en tout cas. Bonjour Fabienne. Cette collection champs en fleurs, bien sûr, comme toujours, vous en avez l'habitude. Hop, est accompagné de tampons et de poinçons. Voilà, vous avez ici la présentation donc de tout ce lot. Vous adorez cette collection, c'est vrai qu'elle est vraiment très très belle. Merci Maria-Isabelle. Donc vous avez les tamponnages, vous avez les découpes qui permettent de monter en fait ces magnifiques tulipes en 3D. On peut en faire tellement de belles choses. C'est vraiment hyper sympa. Là ici avec celle-ci, donc j'ai focalisé donc sur le tamponnage avec du calico coquelicot et flamant fougueux. Hein, vous savez, ce sont des tampons qui sont en plusieurs fois pour pouvoir faire les contours et l'intérieur. Donc ça c'est vraiment très sympa. Et puis cette découpe que j'adore, mais vraiment j'adore. Ça vient du set de poinçons Amazing Silhouette. Et du coup on a le contour et le mot. Donc, en deux fois c'est pareil, c'est vraiment trop pratique et ça ressort tellement bien, j'adore. Oui, c'est pour vous donner de l'inspiration pour le swap. Exactement, le groupe des VIP font un swap en ce moment, un échange de cartes sur le thème de Pâques ou du printemps. Et du coup, voilà, elles s'envoient de magnifiques créations. C'est un vrai bonheur, ces swaps. Coucou Isabelle, ça va ma belle? Alors, aujourd'hui, on va changer totalement d'univers, mais on va rester avec des papiers qui sont incroyables, que j'adore vraiment énormément. Et c'est hop, Vague d'océan. Alors là, cette collection-là, vraiment j'en suis totalement fan. J'ai pratiquement plus de papier d'ailleurs. C'est juste magnifique. On a envie de se plonger dedans, je trouve. C'est trop beau. Alors, attention, sachez que cette collection est une collection éphémère, ce qui signifie que dès le 2 mai, le papier design va disparaître. On ne pourra plus le commander, il ne sera plus ni au mini ni à l'annuel. Voilà, donc si vous aviez un petit coup de cœur dessus, ne tardez pas à la commander puisque le 2 mai, ça sera définitivement terminé. Vous ne pourrez plus l'acheter. Oui, c'est juste incroyable. Voilà, alors en gros, les couleurs, je vais peut-être pas tout les dire. Bleu nuit, Copacabana, Pointe Pacifique, qui est un très joli bleu aussi que j'aime beaucoup. Pas autant que le béguin bleu, mais quand même. Bonjour Vanessa, bienvenue. Avec ce papier design, on retrouve des tampons et des poinçons qui, eux, resteront. Petite indiscrétion, ils seront présents dans le futur annuel. Donc, le set de tampons. Coucou Chantal et Jean-Luc, comment vous allez? Donc, le set de tampons vague d'aspiration et également, oula, ma vague s'est sauvée. Hop, les poinçons, bien sûr. Donc, ça, c'est juste magique. Hein. Et ça, on retrouvera donc dans l'annuel à venir. Contrairement, comme je viens de vous dire, au papier design. Donc c'est avec ça que je vais réaliser ma carte aujourd'hui. Vous allez voir à la fin, vous allez voir le contraste entre les deux modèles. Ça va être incroyable. Alors, c'est parti, on va démarrer. Hop, vous avez sur l'écran les mesures que je vous avais indiquées lors de l'annonce
de l'événement. Hop, je fais un petit peu de place. Alors, j'aurais dû mettre mon coupe-papier à l'autre bout, ça aurait été encore plus simple. Ok, allez, viens ici. Voilà, ça va être mieux comme ça. Les petites étiquettes sont top. Oui, 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 c'est clair, mais il y a vraiment, les découpes sont incroyables, les messages, la vague est quand même extraordinaire. On aime ou on n'aime pas, mais il faut quand même admettre que le design est vraiment extraordinaire. Et puis les textes, hein, vraiment, sont vraiment très très jolis. Alors, pour la base de la carte, bon, vous allez voir, hein, c'est quelque chose de vraiment très très simple. Du coup, pour la base de la carte, il vous faut un morceau de papier uni qui mesure donc 20... J'ai oublié tous mes post-it cette fois, tiens. Alors, c'est pas grave, vous l'avez là, juste là, vous avez toutes les mesures. Donc, 20,3 par 10,8. 20,3 par 10,8, c'est le papier qui est nommé A. Donc, juste... Alors, attendez, bougez pas. Ici, là, vous avez toute la liste des mesures, donc pas de panique. Donc ça, c'est la base de la carte sur laquelle on va faire des plis, évidemment. Et on va en faire deux seulement. Donc vous allez voir, c'est vraiment très simple. Alors, vous êtes prêtes? On y va, on se lance. Donc on est bien sur le morceau de papier de 20,3 par 10,8. Je place le bord long sur le haut de mon coupe-papier. Et je viens donc faire deux plis. Le premier est à 3,2. Alors évidemment, si je me mets à 6, ça ne va pas le faire. Donc le premier pli est à 3,2. Bonjour Frédéric. Et le second pli est à 6,4. 3,2, 6,4 pour les deux premiers plis. Ok. Donc là, on vient de faire, hop, ici, celui-là et celui-là. Ok, ça sera tout pour ce morceau-là. Donc le premier sera en montagne et le second en vallée. Voilà ce que ça va donner pour la base. Ça va, c'est pas compliqué, on est d'accord. Ok? Ensuite, je prends le second morceau de papier. Toc, je suis restée sur du blanc. Qui lui mesure donc 15,2 par 8,2. Re-coucou Martine Carrier, comment vas-tu ma belle? Donc 15,2 par 8,2. Ok? Pareil, on va venir faire deux plis. En fait, il s'agit de ce morceau-là. D'accord? La partie gauche va rester plate. Oui, en replay, pas de problème Martine. C'est gentil d'être passé en tout cas et d'avoir fait un petit coucou. Alors, le premier pli, il est à 1,2. Donc, je vais le prendre de ma main gauche ici. C'est plus facile pour tenir mon papier. D'accord. Donc là, je suis sur le 15,2. Ici, le 8,2. Donc, 15,2. Je fais un pli ici à 1,2. Ok. Ça n'a pas d'importance. Hein. Vous auriez pu commencer en tournant sur la gauche. Il n'y a pas de problème. C'est juste pour le maintien du papier. Et donc... Là, j'ai retourné mon papier, hein, j'ai bien mon petit pli. Tac. Je viens faire un second pli. Et cette fois, je le fais à 4,4 cm. Voilà. Donc là, également, deux plis. Donc, on se retrouve hop, avec ça. Et là, cette fois, les plis sont en montagne. Montagne et montagne. Ok? Ça va, vous avez vu, c'est pas compliqué, hein. Le reste, ça va être super facile, vous allez voir. Je peux pousser mon coupe-papier. Voilà. Je vais marquer mes plis correctement à l'aide de mon plioir. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, hein, surtout. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui sont en train de scraper en même temps que moi, dites-moi. Est-ce qu'il y en a qui ont eu le temps de préparer leur papier avant? Hop, voilà. Ok, donc ça c'est le premier morceau, montagne et montagne, et l'autre ici, je marque bien mon pli.
Voilà, comme ceci. Et coucou Marie-Christine, j'ai pas vu que t'étais là. Coucou Carel. Mumu, tu scrapes en même temps. Carel aussi. Marie-Christine aussi. Jocelyne, oui, je sais. Vous regardez souvent avant pour faire ensuite. Pas de problème. Dridri, non, elle scrape jamais en direct, elle, de toute façon. Oui, pour une fois. Mais pas préparé mes papiers, donc je suis en retard. Véronique, pas de panique, hein. Là, du coup, c'est vraiment très simple. Toutes les mesures sont à l'image et pas de pression. Ok? Moi, j'ai une carte beaucoup moins. Oh, je suis désolée, ma belle Héloïse. Et Nathalie, tu regardes tranquillement. Pas de soucis. Martine, avec les pensées. Ça va être très joli, ça, je pense. Coucou, Joël. Rien le temps de préparer, mais je vais la faire en même temps. Ah, trop forte, Camille. Coco, je regarde et je ferai après. Rachel, coucou ma belle. En replay aussi, j'ai des ouvriers à la maison. Bon courage, parce qu'en général, quand on a des travaux à la maison, c'est un peu le chantier, c'est le cas de le dire. Ok, alors, si vous faites en direct et que du coup, c'est un petit peu la panique, vous avez un peu de retard, vous n'êtes pas à l'aise. Prenez votre temps, posez-vous, regardez, et puis vous retrouverez, vous le savez, sur mon blog, après le live, le temps que la vidéo charge, hein, tout simplement, vous retrouverez la fiche technique avec toutes les mesures, les schémas, d'accord? Tout ce qu'il vous faut pour réaliser à votre tour la carte, les photos également, et puis la liste des produits que j'aurai utilisés avec toutes les références et les tarifs. Du coup, ça vous permet, si vous aussi vous avez envie, de réaliser par exemple la même création avec le même papier que vous ne l'avez pas, ben là vous aurez tout ce qu'il vous faut vraiment de A à Z pour refaire le même projet. Ça marche? Ah ok Evelyne, pas de soucis ma belle. Jean-Luc et Chantal font un replay aussi. Coucou Maddy. Alors, bien, on continue. Ben donc j'ai papoter un petit peu pour laisser le temps à certaines d'avancer, je peux avancer à mon tour. Je prends un morceau de papier design qui lui mesure 13,3 par 10,1. 13,3 par 10,1. Et bien là, rien de compliqué, nous allons venir le poser ici. Donc là, on est sur le papier qui mesurait 20,3 par 10,8, d'accord? Ce morceau de papier design, on vient d'ores et déjà le coller sur la base de carte. C'est parti. Ouf. Voilà. Alors là, j'en ai plein les doigts. Magnifique. Ah, j'ai mes petits. Bougez pas. Hop là, mon petit papier à côté, ça va être bien. Voilà. Ok, je viens coller donc le papier design ici. On va faire comme ça. Vous avez vu comme il est beau ce papier. Voilà. Je viens le coller tranquillement ici. Bah déjà, rien que ça, à l'image, je trouve que ça ressort super bien. Bon, vous l'aurez compris, hein, j'en suis fan de ce papier. Ok. Alors, deuxième étape maintenant. Nous allons coller. Donc, le morceau de papier dont on a fait deux plis en montagne. D'accord? Il s'agit, donc là je replie, vous voyez, ici. D'accord? Et je vais venir coller. Alors attendez, bougez pas, j'ai un bug dans mon. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai mal coupé mon papier, je crois. Alors, je vous montre le principe pendant et après, moi, je vais pouvoir le redécouper. Parce que vous voyez, il n'est pas censé être si grand que ça. Donc, le principe va être de venir le coller, de le centrer par rapport à notre bande ici de papier, et de vraiment venir le coller ici, juste au bord. D'accord? On va coller cette partie-là dans un premier temps. OK? Dans un second temps, on viendra coller ici sur le papier design. Et ensuite, vous voyez ce que ça va donner. Hop, vous avez le principe ici. Donc vraiment, cette partie-là, on vient la coller tout au bord de la bande ici. Ok?
Alors, en attendant, moi, je vais recouper ce papier que j'ai fait n'importe quoi. Coucou Nathalie, comment ça va? Alors, toc. Ah oui, j'ai fait n'importe quoi. J'ai fait la mesure du papier design. Voilà. Si j'avais préparé mes petits post-it avant, ça ne serait pas arrivé. Alors, c'est bien 8,2 et pas 10,1 harmonie. Ça va être drôlement plus joli, n'est-ce pas? Fatiguée, mais oh, bon courage alors. Je pense fort à toi, Nathalie. Voilà, du coup, ça va être vachement plus joli, hein, vous voyez? Ok. Alors, à mon tour de venir coller maintenant. Je préfère que ce soit moi qui me sois trompée dans mes découpes plutôt que de vous avoir donné les mauvaises mesures. Alors, je viens coller ça. Voilà, je suis centrée par rapport au haut et au bas. Je suis bien au bord de ma bande ici. Voilà. Nickel. Hop. Et maintenant, je vais coller. Je crois que j'ai carrément pas pris les bonnes mesures. Qu'est-ce que j'ai fait? Il mesure combien mon papier là? Alors. Ah oui, non, ça va pas du tout ça. Hein. C'est censé être plus grand que ça. Ça va être joli mon bazar là. Alors. On va recouper, hein. C'est pas grave. Vous avez compris le principe. Vous inquiétez pas, hein. Pour vous, tout va bien. Les mesures sont les bonnes. C'est juste moi qui ai coupé un mauvais morceau de papier qui, à mon avis, est là. Voilà. En fait, c'est juste que j'ai pas pris le bon. J'avais bien coupé, mais j'ai attrapé le premier papier qui me venait. Et en fait, le papier que j'ai pris au départ et que je viens de recouper, c'est celui qui va aller derrière. Et que voilà, et qui va aller derrière. Donc tout va bien, tout va bien. Je recommence ma coupe. Hop. Mais encore une fois, tout va bien pour vous, donc ne vous inquiétez pas. Pour que vous puissiez avancer, donc celui-là allait ici, et ensuite vous allez replier à plat complètement ces plis-là. D'accord. Venir mettre de la colle juste sur le petit pli et il va venir en fait se coller directement sur le papier design. D'accord. Ça va vous permettre d'avancer tranquillement. Donc vous voyez, vous avez ici, c'est le petit pli qu'on va coller. D'accord. Donc si le papier, la carte est ouverte complètement, voilà ce que ça donne. Et si elle est fermée, voilà. Ok, ça marche? Je vous laisse ça comme ça, vous verrez mieux ce qu'il en est. Je recoupe de mon côté mon papier. Oui, gazelle, Marie-France, profite bien de tes vacances. J'ai vu que tu avais pu aller un petit peu à la plage, ça c'est top. Alors, voilà. Je coupe ça. Voilà. Hop là. Et l'autre, du coup, lui, il mesure 13,2 par. Du coup, il faut que je recoupe un deuxième papier, hein, puisque celui de derrière, il ne va plus être là, du coup. 10,1. Voilà. Alors, oui, Karel, c'est bien celui-là. Hein, c'est bien 15,2 par 8,2, là. C'est bien celui-ci. Ok? Alors, je refais mon petit pli. Ça va, vous arrivez à avancer? J'espère que ça ne vous pose pas trop de problèmes. Encore une fois, pour vous, pas de soucis. Les mesures sont les bonnes. C'est moi qui n'ai pas attrapé le bon papier au moment de coller. Voilà.
Hop, c'est bon. Voilà, erreur presque réparée, dis-donc. Toc. Du coup, celles qui avaient un petit peu de retard, ça va être super. Elles vont pouvoir avoir rattrapé la cadence, ça va être nickel. Ok. Zou. Harmonie fait des bêtises, mais bien sûr que je fais des bêtises, bien sûr que ça m'arrive. Ah là là. Ok. Voilà. Et du coup, maintenant, je vais pouvoir coller l'autre morceau. Voilà. Nickel. Bon. Erreur réparée, tout va bien. Ok. On continue. Alors, il nous faut un morceau de papier design maintenant qui va venir cacher en fait ce petit raccord que nous avons ici. Ok, et pour cela, il vous faut un morceau de papier imprimé qui mesure 10,4 par 2,8. Ok, donc lui, il vient ici. Donc, on y va, on colle le papier design ici. Ok, alors maintenant on va s'attaquer à la partie centrale ici. Alors ici en papier matage, j'avais pris le calico coquelicot. D'accord? Aujourd'hui, je vais prendre complètement autre chose, un papier spécial qui est vendu avec la collection Vague d'Océan. Et qui n'est autre que celui-ci, le magnifique papier brillant, vous avez vu? Vous apercevez carrément ma caméra dans le papier, c'est pour vous dire. Hein? Ok, donc celui-là, il mesure 6,9 par 6,6. Et du coup, il va venir. Alors, ouais, il va venir se mettre ici. D'accord? Par-dessus, donc je vais mettre un morceau de papier blanc, mais avant je vais le travailler pour lui faire un petit tamponnage dessus. Alors, je prends mon morceau de papier blanc, le papier uni, en fait il mesure 7,3 par 7. 7,3 par 7, c'est le papier uni 2 qui est là, et mon blanc mesure 6,9 par 6,6. On vérifie le sens du papier, puisque ça se joue à quelques millimètres, hein, donc avant de travailler avec, on vérifie les mesures, la disposition, ok, ça sera bien comme ceci. Alors, dans un premier temps, je vais faire un petit peu de colorisation très légère avec ma brosse à estompe et le papier, le pad d'encre Pointe Pacifique. Hop, je prends mon pad, je prends ma brosse, je trempe tranquillement ma brosse dans mon encre. Je décharge le plus gros sur le brouillon. Voilà. Et je vais venir juste déposer un petit peu d'encre sur mon papier. Bon, ça me paraissait petit, mais non, en fait. Voilà. Donc, très légèrement. Hop, tout simplement. Vous allez vite comprendre pourquoi. Ensuite, je vais prendre l'encre Doux Suède pour venir tamponner ceci sur le papier. Hop. Alors vous allez me dire oui, c'est un peu grand, mais oui, bien sûr, mais je vais pas tamponner l'intégralité, bien sûr. Coucou Daniel, comment ça va? Voilà, donc là je suis sur le Doux Suède. Allez voir, le tampon il est en 3D, c'est ce qu'on appelle. Vous allez voir, il y a des nuances directement dans le tampon. Alors. Voilà. D'où l'intérêt d'avoir un brouillon en dessous, n'est-ce pas? Ok.
ces nuances de couleurs qu'il y a directement dans le tampon, c'est vraiment trop joli. Et du coup, je vais utiliser également les petites mouettes, que je présume être des mouettes, hein. Toc, voilà, pour aller en mettre un petit peu dans les nuages. Voilà. Toc. Tout simplement, je vais m'arrêter là. Tout bêtement. Hop, je nettoie mon tampon quand même, parce que. Petit, mais quand même, hein. Ok. Et du coup, maintenant, je vais pouvoir venir coller donc ceci ici. Voilà. Déjà, ça ressort. Je vais vous le montrer d'un peu plus près, vous allez voir. Je retiens mon souffle, tu as l'air hyper concentré. Oui, je fais attention à ce que je fais, est-ce que du coup. Voilà. Alors attention, quand vous collez sur ce genre de papier brillant, ça a tendance à glisser. Donc il faut vraiment attendre quelques secondes avant de bouger le papier pour que la colle prenne bien au papier. D'accord? Coucou ma Fafa, je suis même pas sûre de t'avoir salué ma bichette, je suis désolée. J'espère que ça va bien. Toc. Voilà, parce que sinon la colle a tendance à glisser sur le papier et vous voyez ce que je veux dire. Voilà. Et du coup, maintenant, je vais pouvoir venir coller ça ici. Ah, merci beaucoup, vous êtes trop mignonne, je suis contente que ça vous plaise. Mais c'est pas fini. Il va nous rester un petit détail quand même. Alors, voilà. Du coup, ça va ressortir de façon très jolie. Merci Marie-France, merci Véronique, merci Carrel. Ah, vous avez vu, ça brille. Tout simple. Et ici, donc, j'avais mis le petit merci et je vous ai dit que j'en étais vraiment fan. Donc, j'ai réitéré l'opération, mais toujours avec le papier brillant. Et du coup, voilà, le merci, vous avez vu? Avec la lumière, le merci brille. Trop beau, hein? Et je vais simplement venir, voilà, le coller ici. Vous pouvez le mettre en 3D ou directement avec un petit peu de colle. Cette découpe, elle est extraordinaire. Ça vous plaît, Jocelyne? Ah, ça me fait plaisir. Ah, c'est vraiment, je vous avais prévenu, un univers complètement différent. Ouais, il est beau le merci, hein. C'est le set de poinçons Amazing Silhouette. On a aussi dans l'écriture Tu es incroyable, voilà, qui est dans le même principe avec la découpe contour et la découpe du texte, comme ça, c'est juste énorme, j'adore. Vraiment, j'adore. Je vais mettre des petits brillants ici, mais juste avant, je vais retourner ma carte. Coucou Nathalie, comment ça va? Je vais retourner et je vais décorer aussi l'arrière. Voilà, puisque du coup, on va pouvoir écrire derrière. Ok, et là, pareil, hein. Voilà. Comme c'est juste un petit liseré, on peut se permettre de remettre encore un petit peu de brillant. Ok, donc là, mon papier matage, eh bien, il sera en brillant également. Et je vais rajouter, en fait, un papier blanc, celui que j'ai recoupé tout à l'heure. Voilà, que je vais venir mettre ici. Mais avant de le mettre, je vais mettre un petit sentiment dessus. Donc, je prends mon papier blanc qui lui mesure donc 13,2 par 10,1. Admirable et pas incroyable. Autant pour moi, Drindrin, tu as raison. Ok, et donc je vais prendre celui-ci. Tu es absolument extraordinaire. Voilà. Et je vais venir le tamponner ici au centre avec encore une fois pointe pacifique. Voilà, ça va habiller un petit peu l'arrière. Tu es absolument extraordinaire, oui. Ok, voilà. Je vais le mettre ici. Ça va habiller un petit peu la partie où je vais écrire mon texte. Voilà, déjà, ça, rien que ça, j'adore.
Et puis, je vais remettre des petits oiseaux, tiens. Voilà. Tac, par petites touches. Hop. Voilà. Comme ça fait très mignon. Incroyable, un minimum. Oh, n'importe quoi. Oui, Muriel, ça donne de la profondeur. C'est vrai que c'est très sympa. Le bleu est vraiment très, 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 très profond. Il attire l'œil et tout. C'est incroyable. Alors, à manipuler avec les mains propres, hein, évidemment, parce que sinon, évidemment, ça fait des taches. C'est pire que sur les photos. Voilà. Alors, on n'oublie pas, on y va doucement, hein, parce que sinon, ça glisse. Ça patine, je le mets dans le bon sens, tant qu'à faire. Et je viens maintenant le coller à l'arrière de ma carte. Voilà. Du coup, on a vraiment l'intégralité de la carte qui est décorée. J'ai le pli là qui m'agace. Voilà. Zouf. Voilà, on a vraiment, c'est ce que disait Muriel tout à l'heure, cet effet de profondeur à l'arrière aussi de la carte. Toc. Voilà, donc pour l'arrière, il suffit de pas grand-chose, hein. C'est vraiment, là, c'est amplement suffisant puisqu'on veut quand même garder de la place pour écrire un petit mot au ou à la destinataire, hein, on est d'accord. Et donc, si je retourne, voilà. Donc, notre carte est vue. Donc, quand je vous avais parlé tout à l'heure de deux univers complètement différents, eh bien, vous voyez que je ne vous ai pas raconté de blagues. Voilà, on a le côté très printanier ici avec nos belles tulipes. Et bien sûr, le côté, voilà, maritime, la mer, les vagues. Voilà. Deux mondes complètement différents. On peut aussi dire version femme et version homme aussi, si on veut rentrer dans le genre de débat. Mais vraiment, voilà, ça peut vraiment s'adapter et je trouve ça génial. C'est ce qu'on aime hein, en fait avec Stampin' Up, c'est la possibilité de faire une seule création dans des univers totalement différents avec des papiers qui sont absolument incroyablement beaux. Ça a l'air de vous plaire. Ça me fait drôlement plaisir. Je suis vraiment contente. Alors, je ne sais pas pourquoi j'ai les échantillons qui s'affichent. C'est quand même curieux. Voilà, j'ai un mauvais retour hein, sur ma vidéo. Je suis désolée. J'espère que vous, ça va. En tout cas, je suis contente que ça vous plaise. Vous avez l'habitude, hein, maintenant, si vous suivez mes lives, vous savez que j'aime bien voir vos créations après les lives. Donc n'hésitez pas à les partager hein, avec le hashtag HarmonyScrap. À quoi ça sert ce hashtag HarmonyScrap? Ben, en fait, simplement, c'est une manière pour Facebook de m'avertir en fait quand vous publiez une des créations, par exemple, que vous avez réalisées. Au cours de mon live ou juste après, ou parce que vous avez envie de m'interpeller et de me montrer quelque chose. Donc voilà, c'est comme si vous m'envoyiez une petite alerte. Ding-ding! Harmonie, on parle de toi ou on te demande d'aller voir quelque chose. Voilà, c'est à ça que ça sert le hashtag HarmonyScrap. Merci beaucoup, Marianne. C'est gentil d'avoir été là encore. C'est vraiment adorable. Et puis, bah écoutez, je ne sais pas si vous me voyez à l'image, mais sur mon retour téléphone, c'est mon affiche qui s'affiche, c'est assez curieux. N'oubliez pas toutes les offres que je vous propose, le Club Incolor, les échantillons, la box mensuelle, n'oubliez pas Stampin' Up qui vous offre les frais de port demain et uniquement pour 24 heures. Donc profitez-en par exemple pour vous offrir la collection de papier Vague d'Océan, par exemple, qui disparaît le 2 mai.
Bref, faites-vous plaisir, il y a aussi les liquidations du catalogue annuel qui sont toujours en cours, donc c'est le moment d'en profiter. Et puis, on se retrouve sur le blog d'ici une petite demi-heure ou 45 minutes, le temps que la vidéo charge. Et donc, vous aurez accès bien sûr à la fiche technique, à tous les produits que j'aurai utilisés là, au replay vidéo, aux photos. Bref, je pense que là, c'est assez complet et que vous aurez tout ce qu'il vous faut. Si vous avez besoin d'aide, si vous avez une question ou besoin de plus de renseignements, eh bien, je suis à votre disposition. En attendant, je me remets très vite à la préparation des portes ouvertes pour vous montrer plein de belles créations. Je suis sûre que ça va vous plaire. Préparer aussi notre belle chasse au trésor. Donc on se retrouve mercredi prochain hein, pour les portes ouvertes. Ce ne sera pas un live créatif, en tout cas pas concret, ce ne va pas être un tutoriel de création, mais une découverte de création. Bien sûr, pour certaines créations, vous aurez les tutoriels un petit peu plus tard dans les semaines à venir. Voilà. Eh bien, écoutez, merci beaucoup d'avoir été là. Désolée pour le petit bug dans mes papiers, mais au moins pour vous, tout va bien. Et puis, bon après-midi. Surtout, surtout, prenez bien soin de vous, c'est le plus important. Et je vous donne rendez-vous donc la semaine prochaine. Bon après-midi. Ciao, ciao.